iemand vandaag kwam in, zie je het wel. Veel geluk. Lucky, ze parlent de Nicky. Zijn personnage, zijn motard. C'est un peu un tête brûlée, quelqu'un qui risque sa vie chaque course, qui vit pour faire la moto, qui vit sur des kicks d'adrénaline. Un jour, il a un accident et ne sait plus faire la moto. Donc, il tombe un peu dans une petite dépression. Il est un peu accueilli par sa belle-sœur, Vero, jouée par Vera Battles. Et là, il commence à nouveau prendre sa forme et il commence aussi à projeter son rêve d'être motard sur son petit-neveu. Son petit-neveu, donc le fils de Vero. Mais le petit-neveu, il n'a pas la même... Il n'a pas la même couille que lui, en fait. Il est un peu plus timide, il est un peu plus... il fait plus attention et il... tout ce conflit-là qui sont entre ces trois personnages, c'est un peu l'essence du film. Les émotions qui viennent avec le triangle entre la mère, le fils et l'oncle qui pousse le fils à faire la moto. J'avais déjà fort envie de faire un long métrage. Je travaille beaucoup dans le film publicitaire. Et à un moment, ça commençait à me manquer un peu de profondeur ou un peu de personnages plus profonds. Donc, je suis commencé à chercher un sujet. Et comme je traînais beaucoup sur les courses moto, sur les pistes, sur les circuits, là, je voyais beaucoup des père-fils, des relations père-fils que je trouvais très, très, très intéressantes, très complexes parce que bon, c'est un sport très dangereux. Tu as souvent le père qui est une sorte de sponsor pour le fils. C'est souvent le père qui a eu le rêve aussi, mais qui n'avait pas le sou. À un moment qu'il a le sou, il est trop vieux, donc il projette ça sur son fils. Mais il met aussi beaucoup de pression à son fils, parce qu'il dit, voilà, maintenant, moi, j'ai pas eu cette chance que toi, tu as. Maintenant, il faut que tu te prouves. Donc, pour les enfants, bon, c'est un sport qu'on commence très tôt. On commence à 4 ans. Et t'as pas la même sensation de danger quand tu es jeune. Donc c'est très complexe et ça, je trouve, c'est comme ça que l'histoire du film est née. Ça m'a beaucoup aidé, mon background chez VOP, parce que comme j'avais déjà fait beaucoup d'expériences sur des plateaux, j'ai fait beaucoup de préparation moi-même, donc pour chercher les endroits, pour trouver le look visuel du film, ça m'a beaucoup aidé. Assez vite, j'avais compris que c'est presque impossible de mettre un course de moto comme ça en scène, je trouve, parce que j'ai vu beaucoup d'exemples de films de course, je trouve que ça pue toujours un peu le mise en scène. Et c'était ça absolument que je voulais éviter. Donc, je suis allé me renseigner où sont les courses les plus dangereuses en Europe. Et on tombe vite sur la course, la Isle of Man, des courses comme ça ou des road races en général, ils sont assez dangereux. Donc c'est comme ça que je suis venu en contact avec une organisation, c'est le IRC, c'est l'International Road Race Championship. C'est une compétition des courses dans les rues. Et comme ça, je suis venu en contact avec Laurent Hoffmann, c'est un des coureurs. Et qui avait la même taille de Matteo, qui avait la même posture de Matteo. Et c'est chez lui qu'on a pu intégrer des caméras sur sa moto, bien sécurisées, bien sûr, parce qu'il ne faut pas que quand ils vont à 300 à l'heure, que la caméra s'envole dans le public. Donc c'était assez strict. On a créé des pièces, on a coupé dans le carnage, on a vraiment intégré des petites caméras sur sa moto. Et c'est ça qui donne ce point de vue de Nicky. Et là-bas. Tu es drôle, man. Je ne peux pas entrer avec la casse rouge.
c'est Robocop. Meneer, ik besef de situatie niet. U hebt een ernstige schade. Wat moet ik doen? Ricky, jij leeft nog. De drame de famille, je trouve ça très intéressant, je trouve ça très beau. Aussi, qu'est-ce que tu fais quand tu as un homme qui est un peu trop toxique, masculin? Ou je voulais bien parler de ça. Je voulais bien parler de... Un, qu'est-ce qui se passe quand il y a un homme qui est trop masculin, toxique, qui vient dans la famille? Mais aussi, comme homme, qu'est-ce que tu fais? Bon, je trouve que, quelque part, je voulais aussi parler du fait que ce n'était pas si évident d'être un homme. Que, surtout pas d'être un homme maintenant dans la société. Voilà. Ce n'est pas facile d'être une femme, ça c'est sûr. Mais je voulais aussi montrer que ce n'est pas facile d'être un homme. Et au lieu de faire un film sur la difficulté d'être une femme, je voulais parler de quelque chose que je connais mieux, et c'est d'être un homme. Et que mettre ça en balance et comment ça peut être très destructif aussi. Et voilà, j'en voulais parler de tout ça sans être moralisante. Nicky, kom! Die fucking licht daar! Wil ik dat racen? Wel, deze is het. Je speelt met het leven van mijn kind, omdat je zelf te zielig bent om nog iets van je eigen leven te maken. Kom maar, Johnny, volg ons! Is de kwijt, maar op dat plek. Harder werken. Je moet dat limiet opzoeken. Johnny! Johnny!